Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Leonard Tshiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps, le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tout d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà.